Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme indiqué dans le titre, ou bien si vous l'avez vu sur la miniature, voici le troisième épisode de Draw With Me. Un épisode dans lequel je vais repartir sur la formule appliquée la dernière fois, à savoir faire un maximum de doodles en lien avec l'été. Pour rappel, un doodle, c'est un dessin rapide dans un format très réduit et avec peu de détails. J'ai donc mon fichier sur Krita et c'est parti pour dessiner un maximum d'éléments en lien avec la saison estivale. Les Draw With Me, ce sont des vidéos pour vous montrer un peu tout ce qui touche aux croquis, aux exercices faits pour m'améliorer ou sortir de ma zone de confort, pour m'échauffer aussi avant de faire des illustrations plus poussées. Parfois, je peux pousser ces études pour faire une illustration solo, parfois je me sers de ces études pour créer plutôt des motifs qui iront plus tard sur du papier, des planches de stickers, etc. etc. Ce sont donc des vidéos pour m'amuser, me détendre, tester des choses. Je ne cherche donc pas à créer du sens obligatoirement ou à faire de jolies choses. Je vais donc vous laisser regarder le timelapse jusqu'au bout et vous retrouverez à la fin de la vidéo. Thank you.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie donc de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, sachez que les autres Draw With Me ont été compilés dans une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et en description sous cette vidéo. De plus, il existe toute une batterie de possibilités en fonction de ce que vous avez envie de faire, de l'emploi du temps que vous avez ou bien de vos moyens financiers. À vous de faire votre ratatouille personnelle, car tous les liens sont en description sous cette vidéo et sous les autres vidéos aussi. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour voir mes réseaux sociaux, au soutien financier, en passant par la boutique Etsy ou bien le blog ou encore mes histoires en ligne. Quant à moi, je vous laisse ici en vous souhaitant une excellente journée. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye.